مساء الخير جميع. Bon après-midi, bonsoir mes chers confrères, consoeurs, docteur Ben Adda Khaled, praticien privé, MEDEA, diplômé 1992. Ça fait quelques années, je me consacre pour les suivis avicoles et la pathologie aviaire. J'ai été sollicité pour présenter un thème. J'ai choisi comme ça un thème que je trouve très intéressant et parle de l'importance de la nécropsie et la clinique en suivi avicole, la pathologie aviaire. Mais j'ai décidé à la dernière minute d'enrichir un peu le thème pour pouvoir entamer le thème convenablement. Donc, ce que j'allais avancer maintenant, c'est dans la gestion avicole, c'est pas dans la pathologie avicole. Dans la gestion avicole, la filière avicole, c'est une filière là où on doit produire. Et produire en filière avicole, c'est un peu compliqué vu que notre aviculture va vers l'industrialisation. Industrialiser une filière veut dire faire des performances, gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'espace, etc. Donc, c'est très difficile de produire en filière avicole pour plusieurs contraintes. Et c'est à partir entre parenthèses, ce mot contrainte que je vais développer mon thème aujourd'hui. La problématique qu'on a en cette filière avicole, c'est qu'il y a des interfaces entre tout ce qui est pathologie dominante. Tout le monde, chers confrères, vous êtes jeunes, vous allez commencer votre carrière, vous avez déjà commencé votre carrière. Le cabinet, ce n'est pas un lieu de mettre en disponibilité, à la disposition de nos éleveurs, nos aviculteurs, des médicaments bien. Non, au contraire, il faut être présent dans ce qu'on appelle toutes les étapes de la production. Donc, il y a le problème, la problématique, c'est il y a chevauchement entre la pathologie dominante, la disponibilité des moyens de production, des moyens de diagnostic, à savoir le laboratoire, et de gérer l'ambiance. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler dans la filière, il faut avoir un cumul d'informations, cumul de données, cumul de données zootechniques, cumul de données en relation avec surtout le nouveau concept mondial de l'aviculture qui est la biosécurité. Donc, assurer des performances, je reviens un peu en arrière, assurer des performances, voilà, assurer des performances, c'est bien, docteur. Voilà, assurer ses performances, on doit maîtriser trois éléments essentiels dans cette filière, qui est la qualité du poussin, qui est la biosécurité, et qui aussi, il y a l'aliment. Maintenant, l'aliment, tout le monde qui dépend des grandes fabriques, etc., dans les grandes fabriques, je constate que plusieurs
paramètres et mesures sont respectés, on est à la hauteur de la mondialisation de notre aliment. Ce qui reste chez nous, c'est la biosécurité et la qualité de poussin. Et surtout, tout ce qui est, parlons de la biosécurité. En plus de ces trois éléments, on parle aussi de la pathologie dominante et autres problèmes liés à la production en filière avicole. Notre biosécurité doit être soumise à une réglementation facile à appliquer et adaptable. Notre biosécurité reste un rêve pour le moment, tant qu'il n'y a pas une réglementation, tant qu'il n'y a pas l'implication du pouvoir public pour rendre obligatoire certaines mesures applicables à ces mesures biosécuritaires, à savoir le renforcement avec des mesures et des mécanismes qui mettent en action cette biosécurité. Malheureusement, elle est absente. Malgré, on essaie d'avancer, on est à jour dans nos vaccins, dans nos productions de poussins, etc. Mais quand même, la biosécurité reste un peu comme élément un peu sous-estimé par nos agriculteurs. Je parle là surtout de l'agriculture un peu classique, qui est restée un peu classique. Je pense pas dans l'implantation de grandes intégrations avicoles qui, quand même, ils ont commencé à penser à ça. Donc, l'élément biosécuritaire est primordial pour la réussite de nos élevages. La biosécurité et le niveau des mesures biosécuritaires, on peut les citer comme c'est dans la projection, peut-être individuelle. Le personnel au niveau de la terre, ou bien au niveau du couvoir aussi, c'est très important parce que cette sécurité limite notre réussite et nos performances, la mortalité, le taux de mortalité, la qualité de produits avicoles, etc. Au sein d'un centre d'élevage, entre les mesures à entreprendre entre les 2, 3, 4, 5, 10 des bâtiments d'élevage au sein du même site d'élevage, au niveau régional, au niveau national et au niveau international, il y a une réglementation quand même qui doit gérer cette biosécurité. Donner une autre explication, c'est quoi la biosécurité? C'est assurer une bonne bio-exclusion et un meilleur bio-confinement. Et bio-exclusion, on ne laisse pas passer des pathogènes dans les bâtiments d'élevage, dans les centres d'élevage. Et s'il y a éventuellement des virus ou bien d'autres pathogènes dans nos élevages, il ne faut pas les laisser sortir et contaminer d'autres bâtiments ou bien d'autres élevages. La biosécurité doit résumer certains concepts. Commençons par, avant de travailler, avant de produire, avant d'arriver à mettre en place de la production, il faut choisir l'endroit de l'emplacement et la conception, la matière de conception de bâtiments qui soit plus tard facilement des bâtiments qui sont faciles à les isoler, faire l'isolement, faire facilement rendre facile la décontamination et la désinfection. Et par la suite, certaines mesures, certains actes et actions faciles à réaliser plus tard pendant les durées d'élevage, à savoir l'emplacement conception, la maîtrise des fluides, tout ce qui rentre dans le bâtiment, qui circule dans le bâtiment pendant l'élevage, la décontamination entre deux bandes de vaches et la maîtrise, la gestion des afflux
comme la litière, comme les œufs qui sortent fortement chaque jour, comme les cadavres, mortalité, etc. L'emplacement, je dois passer un peu rapidement, la situation géographique aux élevages, par rapport, le plus important, les points les importants, c'est la situation géographique. Il faut éviter à implanter des élevages repro dans une zone qui est très, dans la densité en poulet de chair ou bien d'indonos chair, où là, elle est très élevée, là où ça rend difficile l'application de mesures biosécuritaires. Par rapport au vent dominant, bien sûr, les rayons solaires, l'accès facile qui n'est pas très loin des routes, etc. Le matériau de construction dispose de la bonne gestion des paramètres d'ambiance et de biosécurité. Ces dispositifs sont surtout liés à la ventilation et à l'oxygénation du bâtiment qui est un peu aussi un risque au bâtiment de contaminer un bâtiment via la ventilation. Les moyens d'isolation d'un bâtiment, bien les barrières, ce sont les clôtures, bien sûr, l'entourage intime des bâtiments d'élevage, on doit les gérer, on doit, pendant la période d'élevage, même entre deux bandes d'élevage, on doit assurer pour assurer cette bio-exclusion, maintenant je parle de la bio-exclusion, ne pas laisser rendre imperméable le bâtiment vis-à-vis les pathogènes, surtout les virus. On doit gérer certaines mesures pour gérer la contamination des insectes via les insectes rampants et les insectes volants, les rongeurs, les animaux qui peuvent, les autres volatiles comme les oiseaux, comme les pigeons qui viennent dans les... Ce sont des sources de contamination d'un bâtiment. Pour faciliter la gestion de ces problèmes, il faut avoir certaines actions et gestes aux alentours de chaque bâtiment pour pouvoir assurer cette... Il y a le deuxième point, c'est les mesures de sécurité à l'entrée de chaque exploitation devant chaque bâtiment, surtout les visiteurs et les camions. Disons, pour les camions, attention, c'est la source la plus incriminée dans la contamination, l'intercontamination entre les différents élevages, surtout les camions qui ramènent l'aliment, les camions qui ramènent le poussin, le camion qui est pour écouler la marchandise, comme les œufs, etc. C'est pour ça qu'il faut prévoir toujours les grandes intégrations, au moins, des autolives et des puits d'olive, et les douches, bien sûr, entre les différents bâtiments. Toujours prévoir les deux espaces avant l'accès au bâtiment, au moins, assurer ces points-là que je vais citer, c'est un minimum. Il faut assurer la disponibilité de ce qu'on appelle les antichambres. Il y a les deux zones, la zone souillée et la zone propre, au moins pour les élevages de repro. Après la maîtrise, il faut maîtriser les flux, tout ce qui entre dans le bâtiment, qui circule entre les élevages ou bien qui circule entre les mêmes bâtiments du même site d'élevage, à savoir les visiteurs, le personnel, les véhicules et les animaux qui peuvent contaminer un bâtiment. L'aliment, l'eau de boisson, il faut toujours avoir ce qu'on appelle une bonne gestion pour ne pas contaminer les oiseaux, carrément. Là, je parle surtout de la contamination avec les germes fusurgents ou bien surtout les deux problèmes, les grands problèmes du bâtiment. Il y a la corne et la corne.
entre chaque pente, on doit maîtriser cette étape de contamination qui doit être raisonnée. Non, on respecte le choix, par exemple, le choix de produits de désinfectants, et après le contrôle de cette désinfection. C'est très important. Gaspiller de l'argent et vers la fin, on se retrouve avec un bâtiment qui a été mal. Tout gaspillage, je ne vois pas pourquoi. J'entends de bruit. La décontamination doit être, il y a plusieurs protocoles de décontamination, l'essentiel que la décontamination soit raisonnée, faite raisonnablement. L'essentiel que la décontamination maintenant au niveau du cabinet, malheureusement, le vétérinaire ou bien le cabinet, et les tables sont dans cette étape. Les agriculteurs ne demandent pas l'avis du vétérinaire dans le choix et dans les étapes, dans les mesures et les étapes à respecter lors de la décontamination. L'essentiel dans cette opération, il y a des protocoles de biosécurité ou bien de décontamination des bâtiments qu'on doit respecter, sinon notre opération soit défaillante. Il y a la décontamination aussi en dehors du bâtiment, c'est pas seulement dans le bâtiment des vaches, pour lutter contre les insectes et les rongeurs, les animaux sauvages, on assure le débroussaillage, la désinfection des sas, etc., les silos. Cette désinfection, cette décontamination va intéresser, c'est pas seulement l'intérieur du bâtiment d'élevage, mais à l'extérieur et pour renforcer les barrières éventuellement qui peuvent contaminer le bâtiment, l'intérieur du bâtiment. Maintenant, on arrive vers la dernière, c'est la maîtrise des gestions des afflux, tout ce qui est produit. Comme les œufs, etc. Les œufs, on reprend bien les œufs de consommation. Et surtout, pendant l'élevage, durant tout l'élevage, on a un problème lié à la mortalité. Donc, il faut réglementer ces gestes-là de la gestion des afflux. Au moins avoir des petits incinérateurs dans l'élevage pour assurer l'incinération des cadavres. La gestion des cadavres reste un grand problème. C'est à partir des cadavres qu'on contamine aux alentours, dans chaque région. Celui qui a des problèmes liés au virus, il va certainement ensemencer le virus partout. En jetant les cadavres, etc. C'est un grand problème, il faut le maîtriser, il faut surtout le réglementer. C'est pour ça, au début, j'ai dit il faut avoir l'implication des pouvoirs publics dans la gestion et dans la maîtrise et dans le respect de ces mesures biosécuritaires. Il y a aussi une chose qui est inévitable, c'est la laitière. La gestion de la litière vers la fin. Maintenant, il y a ceux qui utilisent cette étape. Ils vont vers ce qu'on appelle le compostage. Ils vont vers le compostage. C'est une opération qui est très efficace pour stériliser ou bien, c'est pas pour stériliser, mais au moins pour diminuer un peu le risque de contamination du milieu extérieur par la litière. Au moins, il faut réglementer cette étape aussi, car la litière quitte les lieux avec des camions, il y a la poussière qui va contaminer tous les lieux, ça contamine les élevages, les oiseaux sauvages,
il y a aussi les élevages familiales, les élevages classiques, eux-mêmes vont recontaminer les autres élevages aux alentours. Je vais rester dans la qualité de l'eau et de l'aliment. Ce que je peux avancer maintenant, on maîtrise bien notre alimentation en matière de granulométrie. Tous les fabricants d'aliments maintenant n'ont pas le choix. On a essentiellement deux ingrédients, maïs, soja, tourteau de soja, qui sont là. Mais quand même, on commence à entraîner sur l'alimentation, les traitements thermiques, le traitement enzymatique, la gestion, les capteurs de mycotoxines, l'utilisation des ionophores, la rotation des ionophores. Quand même, on commence à maîtriser ces... Pour la qualité de l'eau, malheureusement, rarement qu'on entend des gens qui parlent de la qualité de l'eau, bien le contrôle de cette qualité. Qualité de poussin, c'est l'essentiel. La qualité de poussin, c'est... Il y a des choses qu'on peut... Là, on peut intervenir. Il y a des choses qu'on peut intervenir. Sur le marché, on a quelques... Des races ou des souches de poules, de poulets, ou bien d'un de nous. On n'a pas le choix, on doit travailler avec. Mais la qualité, l'essentiel, c'est la qualité microbiologique et le statut immunitaire des poussins d'un jour. D'ailleurs, on achète des poussins, on a acheté des anticorps, on n'a pas acheté des poussins, mais on a acheté des anticorps. Ça, de point de vue qualité ou le bien statut immunologique de ces oiseaux, surtout en matière d'anticorps gomboro, d'anticorps Newcastle, surtout. Pour la qualité microbiologique, c'est surtout les maladies en transmission verticale, à savoir mycoplasme, chez les chiens collés, salmonelle, etc. Et la qualité physionomique, c'est en relation avec le management au niveau du couvoir, avec la qualité des œufs microbiologiques, des œufs assis, des œufs à couver, et c'est surtout le trait au niveau de la formation des dragons, leur palette et leur protection des poussins. À la mise en place de chaque lot. Maintenant, on arrive au dernier point, pratiquement, c'est le dernier point. On parle de la pathologie dominante chez le volaille. Et pour gérer cette partie, généralement, ça, c'est le cas de l'île, vétérinaire, pour gérer cette partie, on a durant le donc, l'activité de vétérinaire, bien dans l'élevage, il y a des contraintes avec cette pathologie dominante, il a ce qu'on appelle l'approche thérapeutique et l'approche vaccinologique aussi. Les contraintes sont multiples. Il y a des contraintes liées aux oiseaux lui-même et aux oiseaux eux-mêmes, les contraintes liées au mode d'élevage, contraintes liées aux agents infectieux et au diagnostic, contraintes liées à la vaccination et l'approche thérapeutique, et l'incompatibilité entre le mode de production et la santé du consommateur. Je commence par les contraintes liées à l'oiseau lui-même. C'est là où je peux donner un peu de détails avec ces contraintes. Chez les oiseaux, je préfère commencer par parler un oiseau. La différence entre un oiseau et les autres espèces, c'est pas les ailes, mais c'est les sacs aériens. Je parle pas de l'anatomie des sacs aériens maintenant, ils sont en nombre de neuf. Il y a quatre paires et un impair, mais surtout que ces sacs aériens occupent toute la cavité thoracique et abdominale. Ils sont malheureusement le lieu de multiplication de bactéries et de virus.
Mais c'est pas l'ambiance, mais c'est aussi lié à la génétique, à la sélection génétique. Ça reste le problème de ça, c'est l'insuffisance cardiaque droite, c'est le je crois c'est le SHP, le meningite à l'inverse. Oui, oui, exactement. Dans ces problèmes là, pour faire face, c'est la restriction lumineuse et la restriction alimentaire chez le poussin. En habitude, ces souches à croissance rapide, comme l'arbora, comme la coupe 500 qu'on a maintenant, il faut habituer les oiseaux à jeune âge, dès le jeune âge, dès la deuxième semaine, avoir un protocole où il faut mettre l'animal sur restriction lumineuse et alimentaire. Il faut mettre le cœur et la circulation et le tube digestif au repos. Le programme exactement. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du truc de guide d'élevage. Le guide d'élevage maintenant, il préconise ces mesures de restriction alimentaire et restriction lumineuse. Voilà, j'ai vu la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose lors des SMS? Oui, il faut commencer à penser, il faut anticiper les choses, commencer à avoir une restriction lumineuse et alimentaire dès le jeune âge. Il faut habituer l'animal. Ça ne va pas se retentir sur la courbe de croissance, certainement. Il va récupérer tout. Le SMS, c'est le syndrome de la mort subite. Le syndrome de la mort subite, surtout trouvé chez le poussin. On le trouve rarement chez le poussin. En anglais, elle s'appelle SDS, je pense. Il y a le SHP, c'est le syndrome d'hypertension pulmonaire. Alors, comme si on trouve. Non, c'est pas les merci. Les merci, c'est autre chose. Maladie respiratoire chronique, compliquée. C'est pas ça. C'est pas les merci. SMS, c'est le syndrome de la mort subite chez le poussin. Il s'est devenu un peu. La mort sans symptômes, sans prodrome, sans lésion. Rien du tout. Il y a de la mortalité. À l'autopsie, on trouve rien. Même si on fait l'investigation au laboratoire, si on recherche des agents infectieux, on trouvera rien. Ça, c'est ça, on peut anticiper avec la restriction alimentaire. Il faut aussi améliorer le travail dès le jeune âge, dès le démarrage. Il faut donner, il faut supplémenter, il faut équilibrer l'alimentation pour avoir surtout en matière d'acides aminés, etc. Pour confectionner une masse cardiaque, masse musculaire cardiaque, qui peut assurer. Il y a aussi, docteur Khaled, il y a aussi, j'ai lu dans un article, l'insuffisance, c'est-à-dire les carences en vitamine E, sélénium, ça peut causer ce genre de mortalité subite. Non, la vitamine E, sélénium, c'est pour l'activité musculaire et pour le confectionnement musculaire. Surtout pour former des masses musculaires convenables, surtout la masse cardiaque. Qui n'intéresse pas le sélectionneur lors de la sélection génétique, les souches à croissance rapide. Donc, justement, on a observé que le problème des SMS et d'acide, ça touche surtout, ça fait des ravages dans les élevages qui ont déjà mal démarré la première semaine, la deuxième semaine. Ça, la vitamine E, sélénium, oui. On peut donner ça, mais on ne peut pas éviter le problème à 100%, mais on peut minimiser les dégâts causés par ce problème. C'est surtout une bonne alimentation, une bonne oxygénation. Dès le G1, le premier jour, il faut oxygéner le bâtiment. Ce n'est pas ventilé, mais c'est oxygéné. Donner de l'oxygène pour la masse musculaire pour qu'elle puisse travailler. Même plus tard, quand l'oiseau il a besoin, comme il a besoin de l'eau, comme il a besoin de l'aliment, on doit lui donner beaucoup d'oxygène. Ça, c'est le SMS, SMS acide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? SMS, c'est le syndrome de la mort.
Donc, je continue. Et que le dernier point. Le dernier point sur les particularités du système immunitaire et la réponse immunitaire et inflammatoire. Je veux parler d'un seul point maintenant. Dans l'arsenal cellulaire lors de la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire, la particularité des oiseaux, que lors de la réponse inflammatoire, les oiseaux n'ont pas des cellules, ils ont des granulocytes. Neutrophiles, c'est pas des neutrophiles, ils ont des sidérophiles. Ces sidérophiles, ils ont des cellules basophiles, ils ont les éosinophiles, les hydrophiles et les basophiles, ils ont des hétérophiles. Ces hétérophiles sont des hétérophiles. Ces hétérophiles sont responsables de la fabrication de la réponse inflammatoire fibrineuse, c'est l'installation des fibrines. Là où tu fais l'autopsie, il y a de la fibrine et c'est une grande contrainte pour notre travail. C'est pour ça qu'il faut anticiper les choses. Il ne faut pas laisser arriver les choses à la lésion fibrineuse dans l'articulation, dans l'os, dans les poumons, toute la fibrine, elle est mortelle. La fibrine interfère avec la production. La fibrine interfère avec le déroulement des grandes fonctions de l'oiseau. C'est pour ça que le plus grand problème chez les oiseaux, c'est la fibrine. Et cette fibrine est due à la présence dans la lignée des granulocytes. Il y a des hétérophiles qui sont responsables de la production. Il n'y a pas de lésion purulente chez les oiseaux. Il y a toujours des lésions fibrineuses. Et cette fibrine ne disparaît pas, ne se résorbe pas. Ce n'est pas comme une lésion purulente qui peut disparaître plus tard. Même après thérapeutique, ça va nous gêner et ça interfère avec le déroulement des grandes fonctions et aussi cette lésion est responsable et la cause de saisie au niveau des abattoirs à cause de il y a aussi la fibrine dans les articulations, c'est très douloureux, donc il y a un problème locomoteur énorme qu'on peut rencontrer durant notre travail. Je veux ajouter après la vallée de l'oiseau la gestion de la. L'Algérie est un pays chaud, très chaud. On a pratiquement 8 mois ou plus par an la chaleur, des canicules, etc. Donc, il faut comprendre la physiologie des oiseaux dans la gestion de ce phénomène de thermolyse. Les échanges et la perte de chaleur par ces oiseaux. Il est très connu que les êtres vivants échangent avec le milieu environnant leur chaleur, ils dégagent leur chaleur par rayonnement, par conduction. Le rayonnement, c'est directement avec l'air qui est avec les échanges, la différence de température entre le corps et le milieu extérieur, et par conduction, bien sûr, avec la production, les œufs, les fientes, il y a perte de chaleur. Ou bien l'animal, carrément, il met son corps sur les parois, par terre, pour penser un peu de chaleur. Il reste un phénomène très important, c'est le phénomène de convection, c'est le réchauffement de l'air en contact avec la peau des oiseaux. Et ce réchauffement, va dilater l'air en contact, et l'air dilaté devient un peu léger, il peut emporter avec lui un peu de chaleur. Et c'est la partie là où on peut gérer par une forte ventilation avec une certaine vitesse d'air. L'air qui vient par ventilation peut accélérer ce phénomène de perte de chaleur par convection. Il y a d'autres contraintes
liée au monde d'élevage, c'est la densité. Qui dit densité, la, des contagiosités qui est amplifiée, la laitière qui se dégrade rapidement, ça rend difficile d'assurer une ventilation. Le volume de l'air est énorme. Donc, cette densité, c'est telle. Un élevage de masse, et un élevage de masse, on doit maîtriser la contagiosité, la laitière et la ventilation. Malheureusement, quand on arrive à l'avant, on parle de les contraintes liées aux vaccinations et thérapeutiques. Les contraintes liées aux agents infectieux. Bon, maintenant, il y a le diagnostic, il y a le faux diagnostic, il y a la résistance des bactéries, etc. Et surtout, je préfère parler un peu de la vaccination, qui généralement, on parle d'échec vaccinal sans avoir l'appui. J'aimerais parler de ce qu'on appelle la vaccination elle-même, c'est un problème, c'est un ensemencement de virus vivants, généralement. On travaille beaucoup avec des virus vivants. Et il y a l'échec vaccinal qu'on peut suspecter et parler d'échec vaccinal sans avoir recours au laboratoire et faire un suivi vaccinologique, sérologique. Et toujours on parle d'échec vaccinal ou bien d'échec thérapeutique alors qu'on n'est pas sûr. Maintenant pour la vaccination. Maintenant, on doit la raisonner. C'est vrai, l'Algérie est devenue un pays où on trouve tous les virus pratiquement qui touchent les volailles. Ces virus-là, maintenant génotype 7, il y a ceux qui parlent de H9, ceux qui il y a la LTE dernièrement, c'est ce qu'on appelle des maladies émergentes. Comment adapter le protocole vaccinal? Bien sûr, toujours il faut suivre certaines étapes pour arriver à en conclure un protocole vaccinal. Maintenant, on ne peut pas produire sans vaccination vu la densité dans un élevage. Mais tout simplement, il faut aller vers le raisonnement d'un protocole et le choix des souches. Bien sûr, c'est très important. On peut développer le thème de la vaccination en poulie chez l'espèce gallis ou chez la dinde plus tard parce que c'est un thème qui est un peu très, très compliqué. Je parle maintenant de l'échec thérapeutique. L'échec thérapeutique, généralement, moi, j'incrimine les faux diagnostics. C'est pas l'échec. Il y a les résistances. Il y a l'utilisation intempestive ce qu'on appelle l'utilisation intempestive des antibiotiques qui nous a menés dans une situation un peu compliquée avec l'apparition de maladies qu'on... Moi, au début, le thème comme entérite nécrotique, moi, je l'ignorais à l'époque. Les maladies dues aux entérocoques, ce qu'on appelle ce qu'on appelle tout ce qui germe, nouveau germe, l'ORT chez la dinde, c'est une nouvelle entité pathologique qu'on a commencé, ça fait pas longtemps de parler de ça. Il y a surtout dans nos élevages comme deux maladies, la colibacillose et la coccidiose sont deux maladies. Ce ne sont pas des maladies, moi je les considère comme des problèmes. On ne peut pas faire nos élevages sans avoir deux problèmes qu'on doit gérer. La coccidiose, ça gère dans l'alimentation, ça gère dans le maintien des litières dans un bon état de tenue
bien sûr, en assurant une bonne gestion d'autres paramètres liés aux élevages, liés aux oiseaux, liés à la santé des animaux, liés à l'alimentation, etc. Et c'est surtout la colibacillose qui maintenant, parce qu'il y a trop de gaspillage en matière de médicaments qui visent les colibacilloses. Tu trouves la colibacillose, c'est la fin inévitable de toutes les maladies virales. Pour gérer cette partie, il faut anticiper les choses, il faut aller vers ce qu'on appelle un bon management dans un élevage pour éviter ces deux problèmes et d'autres problèmes, bien sûr. On n'a pas le choix en matière de souche, mais on a le choix comment faire, comment gérer ces deux problèmes des vaches et surtout anticiper, bien gérer dans les élevages repos, surtout les maladies à transmission via l'œuf, comme les maladies virales et bactériennes, salmonelle, chéchia coli, et les maladies virales comme les rhinovirus ou bien l'hépatite, etc., les adénovirus. S'il y a d'autres questions, je ne vois pas. Allô? On est en train docteur. Oui, docteur Briki Abdullah. La clinique vétérinaire rénale d'Espagne. Allez, on est comme Doroka. Oui, on est avec vous. Allez, salam alaikum. J'ai une petite question, Inch'Allah. J'aimerais bien, Inch'Allah, des expositions sur surtout les antibiorésistances et tout ce qui est en relation avec la santé publique. Parce que le problème c'est que les vétérinaires et les éleveurs et les professionnels du secteur ne respectent pas surtout les délais d'attente. Il y a une importance à la santé publique. J'aimerais bien les spécialistes en affaires, d'abîmer le plus possible, dans le futur, ils le bayatira ou les murabbiin hadou sur le problème des antibiorésistances les résidus تاع les antibiotiques ou les sulfamides dans les denrées alimentaires d'origine animale منهم les viandes blanches. Shukran wa salam alaykoum. Un autre confrère qui a parlé de c'est vrai que parmi les contraintes, c'est la pression maintenant qui est faite par la société civile, les associations de protection des consommateurs, etc., sur les résidus d'antibiotiques et autres molécules, bien sûr, toutes les saloperies des mondes, on les trouve dans les... Mais quand même, il y a une réglementation et des titres acceptables dans la matière. On ne peut pas travailler, c'est ça l'incompatibilité. Il y a une incompatibilité toujours entre le mode de production, parce que ça, ce n'est pas le bio. Ça, c'est l'élevage industriel. On a parlé, parmi les contraintes liées au mode d'élevage, on a parlé de la densité. On ne peut pas, il faut exploiter la superficie, il faut exploiter le temps, il faut exploiter tout, la durée d'élevage, etc., pour arriver à produire des protéines pour le consommateur. Donc, la production industrielle, il faut supporter certains, ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est certaines limites. Il faut limiter l'utilisation des antibiotiques. On ne peut pas travailler sans antibiotiques dans une filière industrialisée. Et on a parlé, le thème, on a parlé parmi les points du thème, les contraintes liées au mode d'élevage lui-même, les contraintes liées aux agents infectieux. Il y a les contraintes liées aux thérapeutiques, parce que là, il n'y a pas une réglementation qui gère. C'est vrai que ça nous manque une organisation de la filière, l'organisation du cabinet, la gestion de tout ce qui est public, le médical. Donc, votre question est subjective, mais pour le moment, on parle d'assurer la production, disons entre parenthèses,
bio. Merci. Je pense que j'ai répondu à votre question. Kaina, docteur Khaled. Il y a docteur Khaled, vous m'entendez? Oui. Il y a un professeur si nous permettons de lui donner un mot si vous nous donnez sur votre Fadal. Docteur Zardoudi. Vérifie le micro, Fathi. Fathi, Anis, l'autre. Oui, docteur. Il faut l'activer le micro. صح اطرب يعطيله لا ما باش سينون الو تفضل دكتور تفضل مرحبا بك بروفيسور اهلا بك مالك فيه تفضل اذا عندك مداخله تفضل بور دكتور خالد بركه تسمع نسمع فيك دكتور مرحبا بك يبارك فيك واش راك لاباس والله الحمد لله نعمه سؤال عليك واش راهي الدعوه في مدية واش عندكم كوم باثولوجي فيرال دومينون والله براتيكمون شوف ما جي ترافاي سور لو تيريتوار دو سي با تيريتوار دو ميديا بزاف سورتو لا ولايه جلفا لا ولايه دو تيارات اليا مسيلا ان بو كاين ميديا عندنا كلش عندنا لو مانيوال دو باثولوجي فيرال Exactement. Mais surtout les maladies virales, oui, c'est vrai qu'on on fait pas de vache. Pour le moment, il y a des maladies virales qui ça fait que la moitié de l'élevage. Où le problème, où est-ce qu'il est? On essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter avec la vaccination, avec la biosécurité. Le problème, c'est les intercontaminations. Parce qu'il n'y a aucune biosécurité, tout le monde qui contamine tout le monde. La taille des élevages, des petits élevages, mais tu as dit investigation au laboratoire. On a essayé, on a envoyé des prélèvements plus, mais il n'y a pas de retour. On est avec quelques confrères. Je suis en train de préparer un travail dans ce sens-là, de faire une investigation, faire des prélèvements de PCR et les envoyer un peu partout pour voir qu'est-ce qui se passe avec nos virus. Parce qu'il y a ceux qui parlent de H9, il y a ceux qui parlent de génotype 7. Il y a ceux qui parlent d'autres maladies comme ça, mais il faut confirmer la présence au moins de ces virus, surtout les jeunes et le H9. Docteur Khel, c'est que le problème, c'est le diagnostic clinique. Il faut former les vétérinaires le diagnostic clinique sur le terrain, parce que c'est là où il est le problème, parce que dans le cas, واحد ما يعرفش لا برونشيت من لا ميكوبلاسموز من لا فورم ريسبيراتوار ديال نيوكاستل من لا لارينغوتراكييت كومو يل فا فير دون سو كا دونك il faut les former sur le terrain, c'est ça le problème. حنا le problème du laboratoire, il faut un peu l'oublier parce que tu vas attendre pendant 5 à 7 jours pour avoir les résultats et là c'est trop tard pour intervenir au niveau des maladies. C'est ça le grand problème. C'est la formation. Docteur Zardou, la clinique seule, il faut encourager les gens d'ouvrir des laboratoires d'analyse PCR et tout. Là-bas au Maroc, les vétérinaires, presque 50% des vétérinaires sur le terrain, ils ont le PCR. مازلنا حنا بالك كاين واحد في الغرب واحد في الشرق بالك انيس الو وي انيس لا معك دكتور شريف الانيماتور دكتور شريف شوف نقول لك واحد الحاجه سي تي فو يوتيليزي لا بي سي ار ولا ليزا ولا هادوما لي ميثود اناليز ان بو سوفيستيكي سي بور فير دو لا ريشيرش سي بور بوبليي سي بور C'est autre chose que
travailler sur le terrain. Le terrain, c'est le diagnostic clinique, tu n'as pas le choix. Il faut être formé pour faire pour être un clinicien en pathologie aviaire. Il faut oublier la PCR ou ainsi de suite. C'est pas le chauffe. N'attends qu'un exemple. Tu peux aller dans un laboratoire qui va donner un diagnostic ou un TA sur le terrain, tu as autre chose. Exactement, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Docteur, je veux rajouter quelque chose. Docteur Zardoudé, la case Mahtli. Chauffe, moi j'ai dit une phrase une fois, où on a questionné les NES. On a toujours le résultat du labo restera toujours comme truc stérile jusqu'à trouver quelqu'un qui va l'interpréter. Même le résultat, on doit l'interpréter. Voilà, on doit. C'est très important. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Parce que c'est très difficile de travailler avec les oiseaux. Ouais. Parmi les contraintes liées à l'oiseau, mais moi, j'ai cité les sacs aériens, j'ai cité la réaction fibrilleuse, j'ai cité les reins, où il y a le thermolyse chez les oiseaux. J'ai cité les élus les plus gênants, la production, l'élevage. Mais il y a plusieurs contraintes liées à l'oiseau lui-même. Il faut maîtriser la pathologie, il faut maîtriser la physiologie, il faut maîtriser l'anatomie des oiseaux. Il faut se former. En plus, même le labo, il faut former des gens. Il n'y a pas que la PCI, il y a l'estopathe, il y a le monde. Il faut avoir des labos spécialisés. Dans le labo, il faut avoir des spécialistes qui peuvent interpréter facilement le. Parce que maintenant, on a des résultats de, vraiment en sérologie. C'est vrai, on a besoin de faire la PCR. C'est un examen rapide, de certitude, etc. Mais on ne peut pas faire la PCR à chaque fois. Oui. Ça coûte. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est très cher. Ça coûte cher. Il faut avoir dans le cabinet des vétérinaires bien formés en pathologie aviaire. Il faut avoir dans le cabinet des vétérinaires. Je vais faire un exemple très simple. Un exemple très simple. Trois, n'importe quel labo, tu dis un échantillon à un cadavre ou la haja pour une maladie donnée, il va te mettre E-coli. Voilà. E-coli. Ça fait 28 ans que je suis contrainté à ça. C'est vrai. Voilà. Il trouve toujours le gène de contamination E-coli. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Le colis, c'est pas. Le colis, c'est vrai, il est là. Chimacage. Il est là, ils ont trouvé le colis. Résistante à tout antibiotique. Non, c'est pas la résistance. Le colis, parce qu'un oiseau, fabrique ses e-colis. Voilà, tout à fait. Voilà, un oiseau fait multiplier ses e-colis dans son intestin. Il va l'éliminer dans la litière. L'oiseau, sa nature, il picore la terre. Il se contamine. Il y a la densité, il y a l'humidité, il y a la vapeur dans l'air, il y a E. coli qui passe dans la respiration. La spécificité des oiseaux qu'ils ont, l'Escherichia coli, c'est une maladie respiratoire chez les oiseaux. Il va dans les sacs aériens, il va dans l'os, il va dans la moelle osseuse, il va dans l'articulation. On le trouve partout, le E. coli. En sous-cutané, on le trouve dans la tête, on le trouve dans les cécum, on le trouve dans l'ovaire. Dans le foie, dans le péricarde, on trouve partout E. coli. C'est vrai. C'est pour ça que je parle maintenant. Il faut avoir des gens qui maîtrisent. Et l'approche nécropsique et clinique des oiseaux, et il faut se spécialiser dans le laboratoire. Ce n'est pas tous les labos, mais c'est surtout le labo qui fait le diagnostic. C'est comme en Europe, maintenant, chaque groupe de vétérinaires qui ont un cabinet. Bon, non, Kemeltana, je suis très content. Alhamdina, docteur Zardoudi, Farhambi, Marhabi. Je pense à l'Ouart Mekfesh. Les prochains webinars, Inch'Allah, on va détailler peut-être des points, mais le thème de je vais le détailler. Bien avec des photos, avec...